Yo tout le monde, c'est Cosmos. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le GTA V afin de vous faire montrer ou de vous présenter mon nouveau mode manager que j'ai fait. Voilà, en 25. Donc moi j'ai déjà activé le VCA sans faire exprès pour aller trop vite. Donc voilà, pour ouvrir le menu, vous appuyez sur L3 et R3 en même temps. Vous appuyez sur croix pour activer toutes les options. Voilà. Donc vous voyez que j'active tout et que je vais pas bugger, je vais pas friser non plus surtout. Donc voilà pour le Kaikador, c'est L1 et R1. On va mettre la voiture avec des néons et en good mode. Pour le VCA pardon. Voilà ici, excusez-moi. Donc là vous avez le véhicule. On va le changer de couleur, hein, n'importe, voilà. On va changer la plaque. Voilà. On appuie Start, vous regardez sur la plaque, voilà, vous voyez bien. Éjaculate, si vous aimez bien conduire avec la vitesse. Voilà, on va réparer la voiture. Donc, bah voilà, hein, c'est tout simple. C'est un petit mode manager avec très peu de menus, hein, parce que ça sert à rien d'avoir 30 000 menus dans un mode manager, ce qui fait bugger et friser la console à la mort. Donc voilà, dans ce mode manager, il y a les choses bah, essentielles, hein, le VCA, le AP2 intense, le Kaikador, le Trisoc Trainer, le Garage Editor aussi, qui est pas mal, où ça peut aider. Le anti-cheater, voilà, qu'on va activer si vous voulez ici. Hop. Ensuite le Railroad menu, voilà, on va activer ça. Bon, après il y a le Trisoc Trainer comme là, voilà. Petite information pour troller des gens qui vous embêtent à chaque fois quand il vous demande de l'argent, voilà, vous faites ça, prenez les sacs et vous voyez il n'y a rien du tout, voilà, lol. Comme ça vous pouvez vous amuser à faire croire que vous donnez de l'argent alors que en fait c'est pas vrai. Donc là vous regardez, vous voyez, ça fonctionne, voilà. Donc voilà, je vais vous laisser sur la fin de la vidéo en espérant vous avoir fait plaisir, et n'hésitez pas à partager, à liker notre chaîne YouTube. Vous pouvez toujours nous rejoindre aussi sur amcgaming.net ou .fr. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, bon game à tous et ciao.